Alors? Voilà. Vous avez vu le mur en même temps. C'est le mur que je regardais. Un mur comme ça, en termes d'inertie. Ouais. Ah non, ah, c'est bon, ça, 3000 tonnes de lunettes. Ah ouais, ça fait. Les alpages. Et on risque d'avoir. Approchez, approchez. Venez vous mettre au soleil avec nous. Bonjour à tous, sans micro, hein. Vous entendez, la voix elle porte. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en présence de monsieur le directeur du parc national du Mercantour, Christophe Viret, du chef de secteur, Sébastien Louvet, de mon adjoint Jean-Paul Duet, de vous toutes et vous tous, de vous accueillir devant cette cabane de berger à Gravières où a été réalisé il y a quelques décennies les feuilletons télévisés de la série populaire Belle et Sébastien au cœur de notre magnifique Gordolasque afin de fêter avec vous tous les 40 ans du parc national du Mercantour. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'inauguration de la cabane, parce que le jour où il y aura l'inauguration de la réfection de la cabane, il y aura la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, puisque celle-ci a mis presque 15 000 euros de sa dotation parlementaire pour nous permettre, avec la part importante du parc national du Mercantour et de la commune, de refaire cette magnifique toiture en bardeaux de mélèze. Donc aujourd'hui, c'est uniquement la présentation de la nouvelle boucle et des 5 petits ponts que tous ceux qui veulent faire la boucle avec nous à paix, eh ben, voilà, il y aura un petit cheminement et puis Sébastien va vous expliquer tout ce que l'on va découvrir. Donc, à cette occasion, la commune vous présente avec monsieur Sébastien Louvet, le chef de secteur du parc, et inaugure avec vous tous aujourd'hui la boucle de randonnée. Une boucle accessible à tous, familles, enfants, randonneurs aguerris ou néophytes, afin de faire découvrir ou redécouvrir notre fond de vallée au pied de la cascade de l'Estrèche. Notre merveilleuse nature, préservée depuis toujours par les habitants, la richesse de la faune et de la flore, une fabuleuse biodiversité, et qui sait vous donner peut-être l'envie d'aller randonner une prochaine fois vers nos lacs de montagne, le lac Côtier, le lac de la Fousse, au pied du refuge de Nice, dans la Haute-Gordolasque, ou bien le lac Long blotti au pied de la Maladie et du Gélas, ou bien encore vers la Vallée des Merveilles et ses fantastiques gravures rupestres. Cette opération, la boucle, d'un montant total de plus de 30 000 euros hors taxes, a été rendue possible grâce au suivi technique et à l'aide financière du Parc National du Mercantour et réalisée en collaboration avec les équipes techniques de l'ONF. Voilà. En 1979, la création du parc n'a toujours pas été bien accueillie par nos populations. Mais 40 ans après, nous pouvons constater que la préservation de notre patrimoine est toujours assurée pour la transmission à nos générations futures. Alors, monsieur le directeur, vous transmettiez à monsieur le président et à tous mes collègues administrateurs, bon anniversaire au Parc National du Mercantour, vive nos montagnes, vive Belvédère et vive le Parc National du Mercantour. Le discours est meilleur sur le plus bref, hein, vous le savez. Donc je passe la parole maintenant à monsieur Christophe Viret, directeur du Parc National du Mercantour. Je ne sais pas, monsieur le maire, si j'aurais autant de voix que vous, mais je vais essayer. Voilà. Non, pour vous dire tout le bonheur que j'ai d'être là aujourd'hui dans cette belle vallée de la Cordelasque, chez nous à 20h.
plus égard d'ailleurs à cette proximité avec lui. Voilà, non, vous dire que donc, tout au long de ces étés, on a en fait les 40 ans du parc, vous avez dû le voir pour certains. Il y a un programme d'animation extrêmement riche. Ce week-end d'ailleurs, on propose une trentaine de randos un peu dans toutes les vallées. Et puis bah, pour vous dire aussi toute la, comment dire, oui, la fierté que, de voir ce parc arriver à maturité, en dialogue avec les habitants. C'est pas possible. En dialogue avec les habitants. Et ça c'est très important pour nous parce que c'est ce projet de conservation de ce parc national, il est aussi le fait de tout le monde, bien sûr des agents, des gardes du parc. Voilà. Je voudrais faire un salut particulier à Sébastien Louvet qui depuis il y a peu en, presque deux ans œuvre sur la vie du bus. Et je crois que si aujourd'hui cette groupe du coup de tête en est là où elle en est, c'est grâce à lui, grâce aussi, il ne faut pas les oublier, aux agents et aux collègues du conseil départemental qui nous ont aidés, Marianne Guignoc et Daniel Leblanc, qui ont été vraiment d'un appui technique important. Voilà, donc redire aussi que la mise en place de cette type de groupe fait partie d'une stratégie qui permet notamment à des publics néophytes d'appréhender ce qu'est le cœur de parc. Parce que là, nous sommes au cœur du parc national du Mercantour. Alors, il y a une réglementation, certes, mais il y a aussi, à travers ce petit gentil, la possibilité d'observer le faune et le corps. Et Dieu sait si la gandolade risque de savoir et de victimes. Quand vous venez là au printemps, c'est par troupeau qu'on les observe. Là, ils sont un peu plus gros dans les tentes, certainement. Mais si on regarde bien, je pense qu'on peut les voir assez facilement. Ça, c'est le résultat de 40 ans de conservation. Juste quelques chiffres. Je vais vous dire qu'en 79, on avait plus que quelques centaines de chamois ici. Aujourd'hui, sur l'ensemble du parc, c'est 10 000 chamois. Pour les bouquins et les bouquins qui a failli, le bouquin a failli disparaître, qui a été réintroduit, les petites populations, les petites populations du grand paradis qui ont été introduites ici, on avait plus que 10, quelques dizaines de bouquins. Aujourd'hui, 1700 bouquins sur l'ensemble du parc. Voilà. Il y a d'autres succès. Hein, vous avez tous entendu parler du succès de Barbu, évidemment. D'ailleurs, grâce à l'appui de la fondation France Albert II, a été réintroduit dans les Alpes du Sud en 1986. Aujourd'hui, on a 5-6 couples de gypaètes qui sont en nature et qui se reproduisent en nature. On a eu 3 naissances cette année. Voilà, donc ça, c'est autant de réussite. Mais c'est aussi une manière de qualifier ce territoire et de ne pas oublier que ce qui fait l'attrait du Mercantour, y compris pour le développement des vallées, c'est bien la belle parc national. Voilà. Et donc on est très heureux en tout cas du partenariat avec la commune. Et puis là, il y a une symbolique particulière, la cabane de Sébastien, et puis aussi cette vallée qui va permettre à un certain nombre de gens d'être appréhendés par une petite rando qui dure à peine une demi-heure, à peu près. Une heure. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci, monsieur le directeur du parc national. On peut l'applaudir. Alors, je ne voudrais pas oublier Barbara, voilà. Et je voudrais remercier également Jean-Marie Maria, président du Secours Montagne d'Alpes-Maritimes, pour sa présence. Merci, Jean-Marie. Il est toujours discret, mais disponible et présent dans nos vallées. Merci beaucoup. Et maintenant, le protocole est inversé. Il y aura le petit goûter et la petite boisson avant de faire la randonnée. Hein. Ce qui ne doit pas empêcher de faire la randonnée. Voilà, pour vous donner la force du courage. Voilà. Et maintenant, pour clôturer, c'est Sébastien Louvet, notre chef de secteur, qui habite la commune. Et je voudrais le remercier, qui va vous donner les indications techniques de cette nouvelle boucle en fond de vallée. À toi, Sébastien. Merci, Paul. Merci à tous d'être là. Déjà, je vous invite à commencer. On va boire un coup, manger un petit goûter. Ça a été préparé toute maison par l'hôtel du Grand Café. Absolument. La bière, elle est brassée à Belvédère. Ils ont inventé une nouvelle boisson pour vous aujourd'hui, la mélésade, à base de chaton de mélèze. Et je l'ai goûté à midi, c'est très bon, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis la tarte au myrtille maison aussi de l'hôtel du Grand Café.
en goûtant, en buvant un coup, vous pourrez aller faire un tour dans la cabane. En général, elle est fermée et là, elle est ouverte, alors qu'on profite, c'est du quai de porte ouverte. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de boire un coup à la santé des 40 ans du parc. Absolument. Et de découvrir la personnalité de Durand Café. Moi, je ne t'attends pas. Alors, venez approcher avec nous. On fait une photo pour nous ce matin. Allez, approchez avec nous. Venez. Allez, allez-y, montez. On fait une photo pour nous ce matin. Les petits devant, s'il vous plaît. Les enfants devant. Allez, parce qu'il est beau, ce parc. Allez, pour la photo, gendarme. Venez pour la photo, mesdames, venez pour la photo, venez ce matin. Approchez. Les petits, bougez pas, les petits. Un beau sourire, hein, les petits. Allez. Merci beaucoup, merci à tous. Allez, maintenant, c'est le goûter. Tarte aux myrtilles et maison. Allez. Et après, la randonnée pour ceux qui le veulent. Allez. Allez, on va vous servir. Hein. Allez. Alors, qui veut goûter la bière de la Gordolas? Qui veut goûter la bière? Allez. Il y a de l'alcool là-dedans ou non? Dans les pays, vous ne pouvez pas faire. Non, mais là, je vais être là pendant que...